Bismillahirrahmanirrahim. Deuxièmement, comme envenimation, après l'envenimation scorpionique, on va voir l'envenimation des serpents. Premièrement, on commence toujours avec des introductions et des notions de base. Donc, c'est une urgence médicale. Premièrement, risque d'envenimation avec des conséquences cliniques sévères, plus sévères qu'une envenimation d'un scorpionique ou d'un scorpion. L'état des patients, elle va détériorer au cours des premières heures. Donc, plus grave, plus rapide par rapport à l'envenimation scorpionique. Dans les pays du Nord africain, l'Afrique du Sud, vers l'Afrique subsaharienne, il s'agit d'un million de morsures par an, avec un taux de mortalité qui est proche de 4%. Donc, urgence médicale, risque d'envenimation avec des conséquences graves. Les patients vont détérioriser plus rapidement par rapport à l'envenimation scorpionique qu'on a vu précédemment. Maintenant, ces scorpions, il s'agit de 3000 espèces de serpents dans le monde. Plutôt, ces serpents, il s'agit de 3000 espèces de serpents dans le monde, dont 30% de ces derniers, ils sont venimeux. Ces serpents, ils sont classés selon deux familles que vous êtes censés de les connaître. Vous avez premièrement la famille dite des vipéridés, et deuxièmement, vous avez la famille des élapidés. Pour les vipéridés, ce sont les vipères. Donc voilà un vipère que vous êtes en train de visualiser dans l'illustration. Ou bien la crotale, il y a le serpent crotale, le serpent sans nattes que vous avez vu au début de ce cours. Et pour les élapidés, vous avez les cobras et les mambas. Et les mambas, on va les voir dans juste quelques lignes. Ce qui caractérise ou bien ce qui différencie, ce que différencie entre ces deux famille ou bien ces deux espèces, c'est le type des crochets. Donc pour, ça c'est à retenir et c'est à noter, pour les vipéridés, ils sont des crochets qui sont dits solénoglyphes. Voilà dans l'illustration, ça c'est solénoglyphe. Voilà mieux illustré dans le schéma. Donc ça c'est solénoglyphe qui veut dire des crochets venimeux qui sont antérieurs et qui sont, voilà, ils sont mobiles. Ça, c'est premièrement pour les vipéridés. Par contre, pour les élapidés, comme le cobra, comme la mamba, donc, ils sont des protéoglyphes. Donc, on répète, solénoglyphe, c'est un crochet qui est mobile, qui est antérieur, qui caractérise les vipéridés, comme les vipères et le serpent sans nattes. Par contre, les plus venimeux, les élapidés, comme le cobra et le mamba, ils n'ont pas un solénoglyphe. Ils ont un protéoglyphe qui est un crochet venimeux antérieur, mais qui est fixe. Donc ça, c'est mobile. Premièrement, ça, c'est fixe. Toujours dans l'illustration. Donc voilà, on dit que cette espèce-là, c'est un vipéridé. Pourquoi? Parce qu'il a des solénoglyphes. Les crochets-là, ils sont antérieurs et ils sont mobiles. Par contre, bah voilà. Donc ça a toujours des crochets qui sont mobiles. Donc c'est des vipéridés. Par contre, là, si on donne l'exemple, ça c'est le cobra. Donc il appartient à des élapidés. Il a des protéoglyphes et voilà des protéoglyphes qui sont des crochets mais qui sont fixes. Donc tout ce qui est crochet fixe, c'est protéoglyphes, c'est les élapidés qui sont les plus venimeux. Tout ce qui est mobile, c'est les solénoglyphes, c'est les vipéridés, les vipères et le serpent sans nattes. Donc ça, c'est premièrement pour la classification. Donc voilà. Donc ce sont l'illustration là, voilà, c'est des vipéridés. Donc ce qui caractérise ces derniers aussi, c'est qu'ils ont une tête triangulaire, ils ont des fosses et des pupilles qui sont elliptiques, donc ils sont arrondis, donc elliptoïdes. Ça, c'est un serpent à son nez qui fait appartenir des élapidés, ou bien des vipéridés plutôt. Là, voilà. Le serpent coral, donc on répète, ils ont une tête qui est triangulaire. Et vous pouvez dicter la différence là. Donc pour le serpent coral qui fait appartenir des élapidés, donc il a premièrement les crochets qui sont fixes et il a une tête qui est ronde. Donc si on récapitule, donc vipéridés, crochets qui sont mobiles, ce sont des solénoglyphes et ils ont une tête triangulaire. Et lapidés qui sont les plus venimeux. Donc, ils ont des protéoglyphes, ils ont des crochets qui sont fixes, qui sont antérieurs, et une tête qui est
arrondi comme l'exemple là, c'est le cobra, donc le plus venimeux de ces espèces. Donc j'espère que vous allez maintenant faire la différence entre vipéridés et lapidés. Aussi, ces deux, ils différencient dans le type de venin. Donc là, voilà la composition chimique du venin de serpent, donc selon l'espèce. Par contre, donc maintenant, vous allez comparer la structure ou bien les composants du venin du serpent par rapport au précédent des scorpions. Donc, le venin scorpionique, il a été riche en phospholipase. Maintenant, là, c'est la différence. Donc, le venin des serpents, il est riche en enzymes et en toxines. Pour, premièrement, les vipéridés. Donc, ils sont riches avec des enzymes et des toxines qui sont dites nécrotico-hémorragiques et c'est à noter. Par contre, le venin des élapidés, il est riche en neurotoxines, c'est pour cela qu'il est responsable à un syndrome qui est dit un syndrome cobraïque qu'on va voir dans juste quelques lignes. Donc on répète, venin, pas de phospholipides, c'est une différence par rapport au venin scorpionique, riche en enzymes et toxiques. Ces derniers, ces enzymes et ces toxiques, bien ces toxines, chez les vipéridés, ils sont nécrotico-hémorragiques, c'est à noter. Par contre, chez les élapidés, c'est des neurotoxines qui sont responsables au syndrome dit cobraïque. On va voir ce dernier dans juste quelques lignes et c'est à noter. Donc là, pour la clinique. Donc, premièrement, vous pouvez être devant une morsure qui est dite sèche. Donc, elle représente de 20 à 50% des cas. C'est la marque des deux crochets. Donc, voilà, ça, c'est le venin. On répète, ça diffère selon les élapidés et les vipéridés. Et pour cela, il faut différencier entre les deux espèces, car la sémiologie va se différer. Donc voilà pour les morsures. Donc on peut noter des morsures sèches, 20 à 50% des cas. Voilà. Ou bien, vous pouvez être devant une morsure avec des signes qui sont dites loco-régionaux. Ces signes loco-régionaux sont premièrement un œdème, donc ils sont très douloureux. Ce dernier, ces signes loco-régionaux, ils sont accompagnés avec des taches purpuriques et de la nécrose. Donc, ce qui caractérise la morsure des serpents, ou bien la morsure serponique. Donc, c'est l'œdème premièrement, la douleur, les taches purpuriques, suivies de la nécrose. Donc, ça diffère aussi. Donc, les deux crochets, ça diffère aussi de type, ou bien par rapport aux envenimations scorpioniques. Donc, voilà une morsure sèche. Voilà encore illustré dans l'illustration à gauche. Et voilà l'aspect nécrotico-hémorragique, l'œdème, qui est très douloureux, qui est pathognomonique ou bien qui est spécifique à la morsure serponique. Donc, comme il s'agit des formes dites locaux, il s'agit aussi des formes qui sont généraux, bien des signes généraux. Ces signes généraux, ils vont débuter dans quelques minutes, voire plusieurs heures après la morsure. Ces signes sont digestifs, premièrement, des nausées, des vomissements, des diarrhées, presque comme l'envenimation scorpionique. Et aussi, il s'agit des signes cardiovasculaires qui sont les plus graves. Vous avez une hypotension, vous avez un choc et vous pouvez être comme l'envenimation par les abeilles ou bien par les vespéridés, comme vous allez voir dans la troisième ou dans le troisième chapitre. Il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité, donc un œdème de Kink. Et même un bronchospasme aussi, qui sont les signes de gravité. Donc on répète, vous êtes devant soit une morsure sèche, 20 à 50% des cas, soit une morsure avec des œdèmes, avec un aspect de taches purpuriques, ou bien des nécroses dans certains des cas, ou bien devant des signes généraux qui témoignent, on répète, de la gravité, surtout les signes cardiovasculaires, de l'hypotension, d'état de choc, l'hypersensibilité, l'œdème de Kink et le bronchospasme qui peuvent être fatales. Ah, voilà les deux syndromes. Donc, on va voir les deux syndromes. Le syndrome cobraïque qui est le syndrome neurotoxinique, surtout retrouvé dans les morsures des élapidés. Donc, on a premièrement un syndrome vipérin ou un syndrome dit cobraïque. Donc, à l'interrogatoire, vous allez noter les signes immédiats d'une atteinte loco-régionale et des signes systémiques. Qu'est-ce qu'on appelle ce dernier? C'est un syndrome vipérin ou bien le syndrome cobraïque. Pour les vipéridés, nous avons un syndrome dit vipérin. Donc, tout ce qui est en rouge, bien sûr, c'est annoté et c'est hyper probable. Donc, pour le syndrome vipérin,
Pour la morsure des vipiridés, vous pouvez être devant une atteinte loco-régionale ou systémique, douleur, œdème, surtout la nécrose et troubles de coagulation. Donc, si on revient chez la forme ou bien la constitution du venin chez les vipiridés, donc là, voilà, c'est un toxine ou bien c'est un enzyme de type nécrotico-hémorragique, ça c'est premièrement. Donc, si on récapitule, vipiridés, enzyme de type nécrotico-hémorragique, un syndrome vipérin qui peut être soit loco-régional, voire généralisé ou bien systémique. Il s'agit ou bien qui associe des douleurs, des œdèmes, des nécroses et des troubles de coagulation. Par contre, une morsure délapidée, ça va nous donner un syndrome cobraïque. Et si vous vous souvenez de la plaque précédente, c'était des enzymes qui sont neurotoxiques, ce qui explique que dans les morsures délapidées qui est la plus grave chez les cobras, par exemple morsure de cobra ou de mamba, on note un syndrome neurotoxique ou un mot. Vous allez voir ça dans juste quelques plaques. Le syndrome cobraïque, vous devez le reconnaître par cœur. Donc, le syndrome, donc, premièrement, morsure vipiridée, c'est un syndrome vipérin. Trouble nécrotique et hémorragique, trouble de coagulation, c'est selon le type de l'enzyme ou bien des enzymes retrouvées dans le venin. Par contre, morsure délapidée, syndrome neurotoxinique qui est plus grave. C'est pour cela qu'on avait basé pour la partie précédente ou bien dans les plaques précédentes sur le type et la classification des familles des serpents. Donc, dans votre interrogatoire, vous allez rechercher quel type de serpent qui a causé cette envenimation ou bien qui a donné cette morsure afin de voir est-ce que vous êtes devant un syndrome vipérin, voire dans un syndrome cobraïque, syndrome neurotoxinique qui est plus grave. On va détailler ces deux. On commence premièrement par le syndrome vipérin. Et voilà dans l'illustration, ça c'est du syndrome dit vipérin. Il est causé par quelle espèce? Il est causé par les vespéridés. Donc, ce syndrome associé, c'est à noter des douleurs immédiates, des douleurs intenses, irradiation vers la racine des membres qui est mordu. Donc là voilà, un œdème, deuxièmement, un œdème volumineux tendu, il s'étend sur presque la totalité du membre, donc tout le membre. Donc là voilà, morsure ou bien envenimation par un serpent par vipiridé qui a eu lieu chez un terrain pédiatrique, un enfant malheureusement. Et là voilà un œdème irradiant pour toute la racine, tout le membre avec une douleur diffuse. Des troubles cutanés, donc vous pouvez noter là dans l'illustration des ecchymoses, des pytichies, voire des purpuras et l'aspect noirâtre là, ça c'est de la nécrose. Donc nécrose qui est progressive, qui peut atteindre jusqu'au plan musculaire, c'est pas seulement une nécrose sur les tégument ou bien sur le plan épidermique, et un syndrome hémorragique. On répète, nécrotico-hémorragique, ça c'est le venin des vespéridés. Donc, nécrose en association avec hémorragie, ça c'est du syndrome vipérin. Faites attention à le confondre avec le syndrome cobraïque. J'espère, bien, je pense que c'est clair pour le syndrome vipérin. Maintenant, on va passer au deuxième syndrome qui est le syndrome cobraïque. Donc voilà, c'est une morsure en Afrique, le lieu où on va trouver la mamba et le cobra. Donc ce syndrome, il est peu douloureux. Donc c'est à noter et vous devez différencier entre ces derniers. Les derniers signes locaux qui sont modérés avec une paresthésie qui est loco-régionale, mais qui est au premier plan, ça c'est à retenir, c'est les signes neurologiques. Si on vous donne ça dans un contexte clinique où on associe un ptosis, premièrement, c'est à noter des atteintes des nerfs crâniens, diplopie, ophtalmoplégie, disparition de la mimique, dysgeusie, dysphasie, dysphonie. Donc tout ça, c'est des atteintes des nerfs crâniens. Vous êtes devant des signes neurologiques plus une envenimation. Il s'agit très fort probablement du syndrome cobraïque dû à une morsure des élapidés qui est des plus la plus grave. Aussi, vous pouvez être devant des paralysies motrices ascendantes avec aryflexie ou bien paralysie respiratoire, deuxième signe de gravité. La mort, malheureusement, peut survenir au bout de 2 jusqu'aux 10 heures d'évolution si le traitement n'est pas mis à place au temps. Donc, le but de cette première partie, c'est de différencier entre les deux syndromes.
Donc voilà, signe neurologique, ptosis atteinte des nerfs crâniens, c'est du syndrome cobraïque. Là, toujours, c'est du syndrome cobraïque. Par contre, là, vous êtes en train de noter des œdèmes, des douleurs, des nécroses. C'est nécrotico-hémorragique, notez-vous bien ce terme. Le venin, c'est des vépiridés. Pour cela, on avait insisté sur la composition des vénins, vous êtes censé de la connaître. Donc ça, c'est un syndrome vipérin, c'est pas du syndrome cobraïque. Là, voilà, ça, c'est une morsure qui est sèche, morsure simple. On la trouve dans 20 à 50% des cas. Là aussi, c'est une morsure qui est sèche, que vous allez jeter l'œil. Là, il s'agit des œdèmes, il s'agit de la douleur, l'aspect purpurique, donc c'est un syndrome qui est dit vipérin. Là, voilà aussi un syndrome vipérin. Vous êtes en train de noter l'œdème qui est étendu dans la totalité des membres. Et là, voilà, donc vous pouvez différencier facilement. Il s'agit du ptosis, les atteintes, l'absence de la mimique, atteinte des nerfs crâniens. Vous êtes devant, dans ce dernier cas, devant un syndrome cobraïque, morsure de cobra, voire morsure de membre. Donc, ça, c'est le but de cette première partie. J'espère que vous avez noté tous les points forts, surtout différencier entre les deux syndromes, vipérin et cobraïque, la constitution du venin de chacun de ces derniers, et différencier entre les deux espèces selon leur crochet, soit protéoglyphe, soit solenoglyphe. On va continuer ce cours, on va voir l'aspect paraclinique et thérapeutique de ce dernier très prochainement. Merci pour votre attention. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.